Zorglub. Dites bonjour à Zorglub. Bonjour Zorglub. Donc je vous demande de bien l'accueillir. Zorglub, viens donc t'asseoir à côté de Thiago. Non, protection. Thiago, un peu de tolérance. Elina, s'il te plaît, assieds-toi à côté de Thiago et Zorglub, assieds-toi là. Donc on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Épisode 1940. Les gens fuient le nord pour ne pas être envahis par les Allemands. Une partie de la France est pleine d'Allemands. Zone occupée, une partie reste française. Zone libre. La population est bombardée et mitraillée. Oui. Je peux changer de place, s'il vous plaît. Bon, tu vas changer de place avec Maskin. Bon, on revient. La population. Jérémy, assis. Je me rejoins. Comme vous vous souvenez, on a visité le Conseil de l'Europe il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, je vais vous lire les défenses des droits de l'homme. Jérémy. La protection des enfants, le discours de haine sur Internet et les droits de l'homme. Bon, Thiago. Jérémy, assis. Zorglub. Jérémy, assis. Pénible. Donc, Thiago, t'es... Jérémy, assis. Que des bêtises. Quoi? Thiago, Zorglub. Thiago, écoute la leçon. Maîtresse. Oui. Je peux changer de place. Ah bon. Pas de bonjour la tolérance, hein. Il arrête pas de me toucher. Maîtresse, je peux aller à côté de lui. Bravo Thiago, vas-y. Zorglub. Donc maintenant on va passer à la dictée. Donc le renard court après les poules. Je répète, le renard court après les poules. Donc un chat attaque des oiseaux. Je répète, un chat attaque des oiseaux. C'est moi qui l'ai appris à parler le français comme ça, il fait mes bêtises. Finalement, je l'adore, il prend tellement de place qu'on ne voit pas. J'aime pas son odeur, mais au moins ça cache le parfum de la maîtresse. Il est différent, je l'adore comme ça. En fait, les câlins, ils aiment bien. Depuis que je suis avec ces élèves, je n'ai plus l'impression de venir d'une autre planète. Je suis comme chez moi.